Bonjour tout le monde, ici Commodore Fan. Nous voici ici pour une vidéo sur Star Citizen Report concernant Bar Citizen. Et ici, je suis plutôt un régional de l'étape, donc c'est le Bar Citizen de Bruxelles. Là, je viens de faire la route, on n'est pas encore arrivé. Hein. Je me suis garé sur le côté 2 minutes. C'est quand même plus sécurisant que de le faire en roulant. Et nous allons arriver au Bar Citizen de Bruxelles, c'est dans le Meltdown. Et nous allons rencontrer une foule de personnes de la communauté, il y aura un live. Et voilà, 2-3 surprises nous attendent et je vous ferai le reportage, comme je le fais à mon habitude, sur cet événement IRL Star Citizen. A tout de suite. Quelques images du Bar Citizen de Bruxelles, où le premier réflexe des visiteurs était de profiter du soleil et de la bonne température qui régnait en Belgique ce jour-là. En effet donc, ce 22 juin dernier, est organisé par Pulsar 42 le Bar Citizen de Bruxelles au Meltdown. Une ambiance régnait dans ce bar Meltdown très accueillant, où avaient été imaginés des cocktails pour l'occasion. Le sans-alcool nommé le McLaren, ensuite le préféré de certains, je ne donne pas de nom, le Star Citizen, et un shot qui passait tout seul, le Squadron 42, et celui-là, on ne devait pas l'attendre longtemps. Et pour n'en gâcher une planche exclusive qui eut beaucoup de succès. La communauté était contente de se rassembler autour d'un verre et de discuter vaisseaux, lore, gameplay et dynamique de jeu. Il y avait également d'autres gamers habitués des lieux qui testaient des jeux dont je n'ai même pas entendu le nom. Et un rare joueur Fortnite qui avait dû se perdre, quelqu'un a dû lui expliquer car il n'est pas resté longtemps. Alors, devenu une coutume désormais, pas ou peu de Bar Citizen sans live. Celui-ci était orchestré de main de maître par Snakum, qui a vu défiler Silky, Lomelinde, oh tiens, Commander Fran, ainsi que d'autres invités. Un super photographe également, je vous conseille d'aller voir les photos sur la page Facebook de Pulsar 42. Culte également, après le Bar Citizen de Liège, j'ai proposé le quiz Star Citizen via l'application Chaot. Et à nouveau, grande ambiance dans la salle et une participation conjointe avec le live avec plus de 32 participants. À refaire. Il y a eu aussi plusieurs distributions de goodies via les tickets de Tombola donnés au bar. Et dire que certains en avaient beaucoup. Serait-il passé au bar plus que d'autres, poser la question, tiens Alia, tu avais quand même beaucoup de tickets, tiens. La soirée s'est poursuivie dans un esprit de camaraderie et de bonne fraternité Star Citizen, comme à son habitude. Encore un bon bar à mettre dans son agenda pour la prochaine fois. Une interview du président de Pulsar 42, Silky Nael, suivra dans une autre vidéo, afin de ne pas trop prolonger celle-ci, car c'est un bavard, notre Silky. Lol. Cette vidéo est désormais terminée. Pour suivre d'autres événements IRL, abonnez-vous, et je remercie déjà les abonnés actuels. Rendez-vous tous les dimanches, ou presque, à 19h pour l'émission Le Streamer du Dimanche. Connectez-vous sur le Discord pour toutes les informations sur la tenue des émissions et leur contenu. Pour remporter un Anvil Arrow, c'est toujours possible, voir le lien dans la description. Je vous embrasse tous et à la prochaine pour d'autres aventures.